Hello, je vous retrouve pour ce nouvel épisode. On est lundi 19 décembre, donc c'est reparti pour une petite semaine de travail. Donc je vous retrouve dans mon lieu de télétravail. Voilà, donc c'est le matin, d'où la lumière un peu grise. Donc je vous retrouve pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors Alice, donc on est un jour impair, donc on a de la laine. Toujours du bleu, du bleu, du bleu. Alors, c'est peut-être encore une laine qu'on a déjà eue, parce qu'en fait, en ce moment, ça fait 3 fois de suite que j'ai eu la laine que j'ai déjà eue. Donc, comme je ne retiens pas les noms, j'ai l'étole avec moi. On va regarder ensemble si c'est la même chose. En tout cas, ça ressemble beaucoup à la première couleur. Donc, il faudra que je vérifie encore si c'est la même. Oui, c'est la même. Bon, clairement là c'est la même. Bon, en tout cas moi je suis ravie, franchement je n'étais pas à la recherche de 24 couleurs du tout, même pas de 12 couleurs différentes, donc moi ça me va très bien, surtout que j'ai décidé de lancer l'étole en même temps. J'en profite pour vous montrer où j'en suis de l'étole, parce que je vous ai pas fait de points en fin de vidéo. Faut dire que bon, c'était pas très intéressant, j'ai plus détricoté que tricoté. Quand je vous dis que dimanche c'était pas la forme, voilà. C'était pas du tout la forme pour. Et il faut encore que je détricote en fait. J'ai pas réussi à tout détricoter encore. Parce que donc j'avais terminé mes petites boules et j'ai attaqué le motif suivant, l'indice 7. Et en fait, j'adore, hein, c'est vraiment trop mignon. On a du doré alterné avec du blanc. Et en fait, je me suis trompée, le dernier rang est faux, parce qu'en fait, normalement, ça doit faire une diagonale, donc on la voit bien au début, puis là, non. Je me suis trompée, donc j'ai 4 rangs à défaire encore. Donc voilà, j'espère que cette semaine, je vais arrêter les bêtises. En fait, pour vous dire, elle disait de tricoter 4 fois le motif, et donc moi, j'ai compté 1, 2, 3, 4, j'ai 4 triangles, bah, c'est bon, j'ai fait, mais non. Le motif, c'est deux fois, c'est ça, c'est deux triangles en hauteur. Et bon, je vous dis pas, j'en suis rendu compte quand j'avais fait ça ensuite. Donc j'ai détricoté tout ça. Et là, j'ai encore 4 rangs à défaire. Donc mon cake est tout moche. Déjà, j'ai eu peur de tout emmêler parce que j'ai quand même la bobine dorée qui est là en même temps. Donc c'est un peu le bazar. Voilà, c'était pas la bonne journée. Hier, je pouvais pas réfléchir. Donc, moi, quand on me dit de répéter 4 fois, bah, je répète 4 fois ce que je vois et je réfléchis pas. Et voilà. Alors que c'était clair. Hein. Si on lit le truc, c'était écrit répéter 4 fois les rangs 1 à 8, pas 1 à 4. Voilà. Voilà. Bon, ça demande juste un peu de cerveau disponible, cette étole, tout simplement. C'est pas du zéro cerveau du tout comme le 13KO. Heureusement, j'ai tricoté quelques rangs de 13KO, voyant que vraiment, j'arrivais pas à réfléchir dessus. Mais bon, 13KO n'avance pas vite non plus. Mais bon, cette semaine, mon objectif, c'est de finir la jupe, hein, franchement. Alors là, lundi, mardi, mercredi, 3 jours, donc normalement, mercredi, je peux finir la jupe. On y croit? On y croit? Pourvu qu'il ne m'arrive pas de tuiles à nouveau, parce que là, quand même, normalement, j'en finissais hier, franchement. Voilà. Pour l'étole, je ne me mets pas trop d'objectifs. Hein. Je ne vais pas avoir, pas sûre de finir l'indice 7 d'ici mercredi. Il est vraiment très long. Voilà, donc je ne mets pas vraiment d'autres objectifs pour ces 3 jours qui sont donc censés être plus calmes. C'est la première semaine des vacances scolaires. On est tous à la maison, mais donc on travaille quand même. Mon conjoint et moi. Ma fille est en train de faire la grasse mat là. Elle est à un âge où ça va, elle n'est pas trop prenante. Et puis en plus, ben, on est en congé dès vendredi. On s'en va vendredi. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Je vous laisse en tout cas pour le moment. En tout cas, on n'a plus à gérer les poules. Voilà. C'est un truc au moins à faire, mais qui me manque franchement. Hein. C'est vraiment une présence en fait. On s'habitue à cette présence quand j'ai ramassé les feuilles. Hier, les poules m'ont vraiment manqué parce que ça fait une
compagnie. C'est bizarre, mais ça fait une atmosphère. C'est plus la même quand elles sont pas là. Donc, en tout cas, en fait, on a retrouvé la troisième pour vous donner des nouvelles. Elle était cachée. Elle était cachée, j'ai pas compris. Une poule, ça se cache pas. Je vois pas comment un prédateur va cacher une poule. J'ai pas compris. Pas compris. On s'y connaît pas assez en poule, je crois. Et donc, elle était pas complètement disparue, quoi. Donc, la bestiole est venue tuer trois poules pour manger très peu, finalement. Hein. Quelques parties des poules, c'est tout. Donc on pense à une fouine parce qu'on a trouvé le trou qui est quand même franchement petit. Ça peut pas être un renard. Donc on pense à une petite bête là, genre fouine. Et puis bah il fait froid. Je pense qu'effectivement, moi je vois bien mon chat. Hein. Il peut plus boire dehors. Il est très joueur parce que d'habitude bah il joue. Enfin il joue façon de parler. Il chasse les souris, ça l'occupe. Là il a plus de souris à chasser. Clairement ça se voit parce qu'il est très très joueur. Voilà. Ce qu'on appelle joueur nous. Pour lui, c'est juste s'entraîner à attraper des souris, hein, clairement. Voilà, je digresse, hein, mais c'était pour vous donner des nouvelles. Donc voilà, j'ai juste posté hein, la vidéo, donc je n'ai pas encore vu vos commentaires. Donc voilà, je vous donne quand même des nouvelles d'avance. Voilà, donc à plus tard. Oh, ça marche! Ah, c'est trop bien! Il a écrit quoi? Eh oui, je vous le demande, il a écrit quoi? Je crois qu'il a écrit invitation, non? Attends. Ah, il faut gratter les trois pour que ça veut dire quelque chose, peut-être? Ouais, à mon avis, ouais. Bon, ça sert à rien de faire parfaitement, hein? Ouais, je sais, mais on va pas bien quand même. Hello, hello, je vous reprends sur la pause de midi. Parce que vraiment, je sais pas où j'ai la tête en ce moment. J'ai oublié de vous montrer le calendrier du jour de Pouchou Doodle. Et alors, bah, ce midi, c'est ma fille qui me l'a rappelé. C'est comme elle est là. Donc, elle a voulu absolument le voir. Et on est tombé sur une carte. Alors là, j'étais épatée. Une carte à gratter. Alors là, ma fille, évidemment, elle a voulu gratter tout de suite. Donc, je lui dis, ok, mais alors, t'en grattes qu'une. Parce que quand même, je voulais garder un peu de surprise avec vous, parce que là, bon, je peux pas vous montrer la surprise de voir ça, mais j'ai quand même été super surprise. Et donc, on va faire comme ça. Et il y a bien, c'est bien du hou, quoi, avec trois feuilles. Il faut gratter les trois feuilles. Donc, je vous montre là comment elle était. J'ai pris une photo vite fait avant de qu'elle gratte. Comme ça, j'ai quand même un souvenir intact. Et puis donc, bah, la première, il y a écrit « Félicitations ». Et les deux suivantes, bah, je vais les courir avec vous. J'ai décidé de prendre... ouais, je vais prendre mes aiguilles à tricoter pour gratter. On a fait avec une pièce hein, tout à l'heure. À l'instant. Là, elle est partie chez une copine, j'en profite. Donc, bah, on va faire la suite. Ah non, une aiguille à tricoter, ça marche pas du tout. Non, il faut vraiment une pièce. Donc, je reviens avec une pièce. Alors. Il y a quand même écrit dessus 100% gagnant. En tout petit. Donc là, maintenant, il y a écrit. Tu as gagné. Pardon. J'ai gagné quoi? Trois petits points. Et oui, il faut continuer. Ah bah là, franchement, bah c'est hyper généreux. Je vais essayer de gratter ça quand même bien comme il faut pour que ce soit joli. Je le garde en souvenir quand même parce que c'est joli. Voilà, je vais faire ça hors caméra. Parce qu'en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir comment elle a fait ça. Donc en fait, elle a collé du papier à gratter. La marque Silhouette propose ça effectivement. Du papier à gratter, on le colle. C'est adhésif apparemment parce qu'elle l'a collé dessus.
sur une autre feuille qu'elle a imprimée. Donc vous voyez là, non mais carrément, si je commande quelque chose sur sa boutique, j'ai un kit offert. Rien que ça, un kit. ce qui représente, enfin, bah oui, quand même, quoi. Enfin, c'est. Bon, alors là. Alors, il n'y a pas de date limite de commande, parce que moi, je n'ai pas prévu de commander tout de suite. Enfin, tous les jours, j'ai déjà un truc. Enfin, c'est. Je suis déjà pourri gâtée, là. Je n'ai pas besoin, en plus. En plus, je ne vous ai pas montré, mais. J'ai commandé, j'ai vu la story de EPEC78, ma copine Christelle, et elle m'a donné trop envie de commander les mêmes stickers qu'elle. Et alors, je les ai déjà mis, il faut que je vous montre, quand même. Je les ai déjà mis dans mon bullet journal, parce que j'avais toujours pas fait ma page de janvier, et donc j'ai fait des infidélités à Pochou Doodle. J'ai craqué pour avoir les mêmes stickers que Christelle. Et donc, j'ai même pas retenu le nom de la fille. Winter, c'est le kit Winter Wonderland. Alors, je ne sais plus. Animals, enfin. Et je ne sais plus la fille, en fait. C'est carrément sur la boutique de Silhouette Studio. De Silhouette Design. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais quand on a une machine Silhouette, c'est facile. On clique sur boutique dans le logiciel de création et on arrive sur la boutique. Et là, on va dans les stickers de Noël et on finit par tomber là-dessus. Alors c'est normal, c'est pas donné, mais c'est un prix tout à fait correct, parce que bah, c'est vrai qu'on ne le reçoit pas à la maison, hein, faut l'imprimer soi-même. Ma machine, mon imprimante était tombée en panne. Et là vous avez la preuve que j'ai réussi à la réparer, je suis trop contente. Enfin, en tout cas qu'elle est réparée, vous avez la preuve. Mais c'est moi qui l'ai réparée, grâce à YouTube. Oh là là, j'étais contente. Parce que j'étais dégoûtée d'avoir la machine là, qui m'a affiché un message d'erreur qui ne voulait plus marcher, en disant que les tampons étaient pleins, un truc comme ça. Et donc j'ai trouvé sur YouTube d'abord le tuto pour nettoyer ces fameux tampons. Et après le tuto pour qu'elle n'affiche plus le message d'erreur. Parce qu'une fois qu'elle a le message d'erreur, la petite machine, elle est faite pour dire bah, allez voir un technicien, hein, vous pouvez pas, on ne va pas vous dire comment faire pour enlever le message d'erreur. Ma machine, elle a 16 ans. Donc j'étais prête à me dire, bah non, il faut laisser tomber, hein, mon imprimante qui a 16 ans, c'est peut-être normal aussi. Mais non. Vous voyez, la qualité d'impression qu'elle arrive à me faire encore. Alors, et puis après ma machine de découpe, hein, qui est quand même top, hein, ma machine Silhouette Portrait. Oula, je deviens jaune, non? Oui, voilà. ma Silhouette Portrait, qui marche très bien aussi. Pareil, j'ai eu des ennuis avec, et en fait j'ai fini par acheter un tapis, et ça m'a tout résolu. Il y avait un tapis fourni avec la machine là, mais je galérais avec ce. Et je me demandais pourquoi. Et finalement je me suis dit, tiens, je vais racheter un tapis, on verra bien, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et ben c'était ça. Avec le nouveau tapis, ça marche comme sur des roulettes. Donc ouais, je sais pas pourquoi. En tout cas, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc c'est la seule page où j'ai pas de stickers de Pochou Doodle, parce que sinon. Sinon, alors là c'est pareil, j'ai fait un mixte. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ma page de ces deux prochaines semaines. Alors j'ai pas fini, mais j'ai fait ma page de cette semaine, donc du 19 au 25, elle est là. Donc j'ai mis le petit Père Noël quand même, parce que c'est quand même la semaine où Père Noël y passe. Hein. Donc là j'ai mis mes tâches, je cache parce que c'est mes tâches à faire de la semaine. Et voilà, vous voyez, j'ai mis, il n'y a que le Père Noël qui n'est pas de Pauline, et le sapin aussi, et le petit. Renard, j'avais trouvé ça aussi sur les stickers de Silhouette Studio. Mais vous voyez, sinon, j'ai quand même des stickers de Pauline. Clairement. C'est quand même ça, ma principale source. Et d'habitude, je fais vraiment qu'avec ces stickers. Là, c'est parce qu'elle n'a pas fait de kit de Noël que j'ai quand même été un peu obligée de prendre un peu ailleurs, quoi. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer, mais en fait, j'ai tellement écrit dessus que c'est compliqué. Si je peux vous montrer un truc, parce que je n'ai pas encore rempli, je peux vous montrer que chaque mois je fais une page de souvenirs. Et ça, c'est ma page de souvenirs de novembre et que j'ai toujours pas rempli. Donc vous pouvez voir à quoi elle ressemble avant que je mette des photos. Et après, il y a plein de photos partout, toutes petites. J'ai du mal à faire sobre.
Voilà, parce que sinon je peux pas vous montrer grand chose, c'est vraiment très rempli partout. Donc je ne sais pas trop comment je pourrais vous faire une vidéo. Alors si ce que je peux vous montrer ce mois-ci, c'est ma page de couture, parce que là il n'y a rien de secret. Et je peux en profiter pour vous montrer comment je fais. Voilà, je fais des petites cases avec mes réalisations couture. Alors pareil, c'est pas très à jour. Et je marque ici ce que j'ai mis sur mon blog. Voilà. Pareil, parce que pour... Je vous avais déjà montré ma page mensuelle. Maintenant, elle est remplie. Je peux plus vous la montrer. Et je peux pas vous montrer que j'ai rajouté le petit cœur. Pas le cœur, la petite lune que j'avais dessus. Donc voilà. Bon, j'ai un mix ce mois-ci. Mais d'habitude, c'est pas le cas. Quoi. Vraiment, je suis dans un thème et j'y reste. Il y avait un thème que j'avais adoré, c'était le thème du cirque. Je peux peut-être vous montrer, parce que pareil, je vais essayer de vous montrer que la page des réalisations. C'est le seul truc que je ne trouve pas trop perso encore. Voilà, je m'étais vraiment amusée, le sticker Gion de Pauline. Et moi, je m'étais amusée à faire un chapiteau. Les pop-corn de Pauline aussi, puis je m'étais amusée à mettre ma réalisation dans des nuages. Donc il y a des mois où je m'amuse bien grâce à elle, elle me donne des idées. Vraiment très sympathique. D'ailleurs, voilà, ma page... du mois d'août était quand même génial, vraiment, avec le petit ticket qui brille, hein. Vraiment c'était génial. Et là j'avais fait une température, un tracker de température, donc j'ai colorié en fonction des températures, avec le petit mois ici. Et j'aimerais bien le faire en décembre, le tracker de température, mais j'ai pas prévu la page pour. Parce que là quand même on a eu des températures au mois de décembre, je trouve ça génial à faire en tracker. J'ai pas prévu, c'est bête. Voilà, oui, et puis pendant que j'y pense, voilà, je porte mon pull Sophie de Marianne Munier, Marguenet Design, mon petit pull en cachemire que j'adore, que j'avais trouvé à l'atelier de la création, donc ça, voilà. Bon, bah voilà, je crois que j'ai rien oublié cette fois. Oui, j'ai mes cheveux qui sont chauds, électrostatiques, c'est pénible. Et je me suis mal peignée ce matin, on dirait, j'ai des mèches rebelles. Bon, faut que je retourne travailler. C'est comme je vous disais, hein, j'ai très peu de réunions. J'ai eu une petite réunion. J'ai réussi à faire deux rangs, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai défait mon rang. Et je vous montre en live. Et, alors attendez, j'en avais 1, 2, 3, 4. Ah ben voilà, je l'ai juste refait. Donc là, il est beau. Voilà. Et j'ai quand même fait les deux rangs de blanc pour réattaquer à nouveau le doré. Donc là, je vais faire... Bah si, c'est ça, je viens de commencer, vous voyez, j'ai sur mes aiguilles le doré qui revient à nouveau. Là, je viens de commencer une nouvelle série. Donc, je suis contente. Je me suis fait un petit macro-planning, parce que ça y est, j'ai quand même deux semaines de retard. Donc, j'ai trois indices de retard, trois ou quatre. Non, trois. Enfin, là, l'indice 10 vient de sortir et j'ai eu l'indice 7. Donc, j'ai pu me faire un macro-planning. L'indice 10, d'après mes estimations, je finis le 2 janvier. Et l'indice que je suis en train de faire, d'après mes estimations, je le termine après Noël. Donc on va voir. Si j'aime bien me faire ça, imaginer, là, je ne pouvais pas, parce que j'avais jamais les indices à l'avance, mais là je commence à en avoir d'avance. Donc je peux imaginer le temps que je vais mettre. Et sachant que je suis en télétravail, donc 4 jours, enfin 3 jours, je ne travaille pas mercredi. Et je ne travaille pas mercredi, vendredi, bref. Je travaille lundi, mardi, jeudi. Donc je sais que je vais avoir du temps pour tricoter. Plus que sur site la semaine dernière où j'étais quand même beaucoup sur site. Voilà, voilà. Et ben je vous dis à plus tard. Mais que vois-je, il n'y en a déjà plus qu'un. On n'est que trois à la maison, mais ça part quand même vite. Hein. C'est qu'ils sont bons. Hello du mardi 20 décembre. Oh, ça me fait bizarre 20 décembre, ça y est. Ça y est, ça sent l'hiver, ça sent Noël, ça sent la fin de l'année. Oh là là, ça fait bizarre. Enfin, et puis bah, ça sent bientôt les vacances, hein. Clairement, ça va faire du bien. Même si j'ai l'impression déjà d'être en pré-vacances en étant en télétravail, là, d'habitude je suis sur site. Et la fille, ayant ma fille à la maison, ça fait vraiment. Alors je suis désolée, hein, je me maquille pas en télétravail. Donc, vous me voyez nature. Hein. Je porte encore mon Sophie Dit, je vous le dis tout de suite. C'est mon pull d'Andrea Mori, là, le Sophie Dit, qui est tout simple. Un pull, mais alors basique de basique, hein, au point qu'il y en a qui ne comprennent pas que ce soit payant. Ce que je comprends.
Voilà, donc bon. C'était Orlène Darko et Ricci, on a les deux, hein. Mais comme je suis pas très speckles, je préfère le mettre en télétravail. Mais il est tellement agréable ce pull. Il a le col parfait pour moi. Il a vraiment les épaules. Il tombe parfaitement, quoi. Et en fait, moi, un pull, c'est pas si simple. Je craque pas que pour les petits détails de broderie, tout ça. Je craque aussi pour la construction. Je n'aime pas, j'aime pas avoir froid là. Donc, j'aime pas que ce soit du tout décolleté ici. Donc, je fais attention à ça. Donc, c'est pour ça que je le mets, parce que j'adore le porter. Je suis bien dedans. Bon, alors. Je vais commencer par Poochoodle pour pas l'oublier cette fois. Parce que ça va bien. Donc, je disais, le 20 décembre, j'ai pas du tout pris au vert. Non, mais déjà, regardez cet autocollant, enfin moi. Moi déjà je craque. Je vais les garder hein, clairement. Là je viens de le déchirer, je suis dégoûtée parce que je veux garder ces pochettes. Déjà c'est écolo de les garder. Donc là je les garde toutes. J'ai un gros sac comme ça où je garde toutes mes pochettes, que ce soit d'Alice ou de Pauline. Donc parce que ça, je veux m'en servir quoi. Surtout bah alors autant celle de d'Alice, bon c'est pas. C'est pas le design qui m'intéresse spécialement, mais ça peut servir, franchement. Mais et puis bah, je peux coller un sticker par-dessus, hein, clairement. Mais là, franchement, j'adore. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Oh, non, mais non, mais non, mais non. Non! Alors, c'est un clip en plastique fou. J'adore le motif. Et alors, c'est. Bon, on va essayer tout de suite. Donc, elle dit qu'on peut le clipser sur l'élastique. Alors, on essaye. Alors, comment ça marche? Donc, elle propose de le mettre comme ça. Je ne sais pas si je vous ai dit ce que où je me fournissais en calendrier, en carnet. C'est toujours un peu galère pour moi. Hein. Je trouve ça vite hyper cher sur Internet d'avoir un bon carnet avec plein de pages, avec des petits points. Et finalement, contre toute attente, je ne pensais pas franchement que ce serait là que je trouverais le moins cher et comme je veux, parce que j'en ai trouvé des moins chers, mais pas comme je voulais. Eh bien, c'est de la boutique de Margot. L'organiser, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les astuces de Margot. Moi, j'ai quand même, c'est quand même elle qui m'a motivée à faire des bullets de journaux, franchement. Puis bon, après, j'ai découvert Poochoodle qui est plus adapté, enfin, qui me correspond mieux que Margot, finalement. Bah voilà. Non, mais c'est génial ce qu'elle fait. Puis ça n'a pas une texture de plastique fou, je comprends pas. J'ai déjà fait du plastique fou, ça n'a pas cette texture-là. Bon, enfin, on va bientôt expliquer comment. Elle va en dire plus bientôt, je pense, là-dessus. Mais moi, je suis épatée par ce qu'elle fait. Franchement, elle mérite vraiment d'être connue parce que vraiment, moi, je suis épatée par ce qu'elle fait. Franchement, elle gagne à être connue. C'est pas pour ça que je l'ai acheté pour vous en parler. Je ne suis pas sponsorisée du tout. Au contraire, je paye tous les mois pour avoir une box. Elle ne me paye rien du tout, elle m'offre rien du tout. C'est moi qui paye. Je vous rassure, moi je ne suis jamais sponsorisée, on ne me fait pas de cadeaux, sauf là. Sauf quand je participe à un concours et que je gagne. Et là, hier soir, j'ai regardé mes notifs, j'ai découvert que j'avais à gagner le sponsor du 14 décembre, comme par hasard, ça j'adore, chez MJ, Margeva. Et donc j'ai vu ça hier soir. Je sais pas du tout comment avoir mon cadeau. Donc ça, je vous en parle plus tard parce que j'ai rien compris. Mais voilà, je suis trop contente quand même. Merci MJ. Alors, Alice, qu'est-ce que nous allons contacter? Parce que c'est vraiment petit aujourd'hui, c'est bizarre. Ah bah oui, c'est petit. Ah, j'adore.
On n'en avait pas encore eu de jolis marqueurs. Progrès skipper. Bon, arrête de bouger, toi. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Il va falloir que je mette sur mon étole, mais j'ai pas besoin de marqueur en ce moment. Ah, ça va peut-être changer, ceci dit, si on met ça. Bon. J'en profite, parce que je vous ai dit hier que je me mettais un petit objectif sur mon étole. Je veux vous montrer si j'ai tenu mon objectif. Donc, mon objectif, c'était de finir la bande dorée. Les petits triangles dorés. Là. Voilà, donc je les ai finis. Et en plus, j'ai même attaqué. J'ai fait des rangs sur la... alors, je ne sais même pas comment dire, c'est même pas la partie d'après. Je suis toujours dans l'indice 7, partie 1. Oui, non, mais désolée, ça me fait rire, cet indice 1, parce que j'ai fait tout ça. Il y a trois parties, j'ai toujours pas fini la partie 1 de l'indice 7. Ça, c'était qu'un indice. Donc là, quand même, de me faire des mini-objectifs, et ben, je suis contente parce que je les tiens. Là, c'est des objectifs qui me vont, je me connais. Et je l'ai même dépassé parce que j'ai réussi à faire 8 rangs de plus. Donc voilà, c'est un tiers de ce que je dois faire, mais de mon objectif d'aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait un tiers de mon objectif d'aujourd'hui. Donc normalement, je devrais quand même aussi dépasser mon objectif d'aujourd'hui, j'espère. Voilà. Donc voilà, pour le mardi matin, je verrai si je vous reprends plus tard. Juste, j'ai trouvé comment l'utiliser. Voilà, 2 minutes et j'ai trouvé. Vous voyez pas comme il est super bien assorti? Non mais, franchement. Voilà, je vais m'en servir de Progrès Skipper. Donc voilà, je vous ai laissé, j'étais là, comme ça, je vous montrerai donc demain matin où j'en suis par rapport à ce matin. Donc là je m'en souviens, hein, hier matin je vous ai montré 4 rangs, 1, 2, 3, 4, 4 répétitions là, et je devais en défaire une, donc c'est comme si j'étais là. Donc voilà, j'ai fait ça hier, voilà. Donc, et puis un demi-rang, là. Je suis sur un demi-rang parce que j'ai tricoté un demi-rang ce matin. Voilà. Voilà. Hello, hello, on est mercredi 21 décembre, je vous prends rapidement parce que là, on a tout le monde à la maison, je travaille pas, comme tous les mercredis, donc j'ai plein de choses à faire, avec ma fille surtout, même le collège, je lui demande de faire du pain, enfin je vous montre ça quand même, c'est le truc que je pourrais vous montrer, mais le reste, bon, c'est quand même des choses pas très intéressantes, si, il faut que je vous montre ma jupe, là je vais juste après terminer ma jupe et je vous la montre finie, mais je sais pas si je pourrais vous reparler. Voilà, donc je vous montre rapidement le calendrier de l'Avent. Donc Pauline, 21, regardez la surprise, elle s'est trompée, j'en ai deux. Elle l'avait dit, il lui en manquait un, elle s'est dit, il y a une chanceuse qu'on a eu deux, bah c'est moi. En parlant de chanceuse, j'ai aussi gagné un lot chez Margeva, MJ. Elle offre un cadeau tous les jours du calendrier, tous les jours de son Vlogmas. Donc 24 cadeaux quand même, ou 25, je sais même pas. Et j'ai gagné un patron au choix chez Même les Anges Tricotes. Ça, c'est un pull de Même les Anges Tricotes. Donc j'étais ravie. Bon, là je voulais un gilet. En fait, elle a pas beaucoup de gilets, mais elle va en avoir plus bientôt, c'est dommage. Mais bon, il m'a bien plu quand même le gilet qu'elle a, le gilet Coffee. En plus, Coffee, j'aime beaucoup ce nom, moi qui aime beaucoup le café. Donc, ben voilà, elle m'a offert le gilet Coffee, donc je suis ravie, il est sur ma liste d'attente, ça sera dans mon Make 9 2023. Il faudra que je vous fasse une vidéo après les Vlogmas sur mon bilan 2022 et sur mes envies 2023. Bon, je vous en offre qu'un, parce que l'autre, je vais voir ce que j'en fais et ce que j'offre à quelqu'un. Je vais voir si plus à ma fille, je lui offre, parce que je ne sais pas ce que c'est encore. Alors, un sticker, oula, stickers transparents, c'est écrit derrière. Bon, par contre, pas résistant à l'eau, donc faut pas le mettre sur n'importe quoi, mais il est transparent. Bon, bah clairement, je vais l'offrir à ma fille. Oui,
Je vais me dépêcher d'ailleurs, si elle n'a pas encore ouvert ses bottes, je vais les mettre dedans. Moi, je suis désolée, une Pauline. J'espère que tu n'espérais pas que je te le renvoie. Non, tu ne me regardes pas, je pense. Oui, parce que bon, ma fille, elle est un peu jalouse hein, de mon calendrier de Poochou Doodle, donc ça lui fait très envie. Déjà, elle m'a piqué mes feutres. Hein. Je l'ai retrouvé, des feutres dans sa chambre. Bon, j'ai l'impression qu'elle nous prépare un truc pour Noël, donc elle a une excuse. Voilà, 21, Alice. Bon, bah ça veut dire qu'on va avoir un nouvel indice aujourd'hui. Et qu'on change toujours pas de couleur, et moi, ça me va parfaitement. Il faut que j'aille chercher vite mon étole parce qu'il faut que je vous montre. J'ai réussi à finir la partie 1 de l'indice 7. Donc, c'était mon objectif d'hier. Donc, je suis ravie et j'ai même pu attaquer les torsades hier soir. Donc là, voilà, c'est la couleur naturelle d'Heidi Heidi. Donc, j'ai déjà. Je suis en train de la tricoter. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc, ce que je m'étais mis comme objectif hier. Donc, j'en étais là. C'était de finir ça jusqu'à la ligne dorée. Donc je suis contente, j'ai réussi. Et j'ai même pu commencer la torsade. Donc je suis en avance sur mes petits objectifs que je me suis mis moi-même. Parce que moi j'aime bien me mettre des petits objectifs réalisables. Donc la preuve que c'était réalisable, j'ai même dépassé. Voilà, donc je suis ravie, j'ai pu attaquer les torsades. Et là, j'ai fini donc cette section de torsade. Maintenant, je vais faire des torsades ici. Voilà, donc c'est mon objectif d'aujourd'hui, de faire les torsades qui sont ici. Et je crois quand même que j'ai oublié mon objectif quand même. J'aimerais bien refaire aussi ces torsades-là quand même aujourd'hui. On va voir. Voilà. Donc, je suis ravie de cette étoile. Commence à être pas mal. Oui, vous avez vu un petit sachet collé à l'étoile. Voilà, donc je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre. Si je vous reprends pas, je vous laisse avec des images du pain que je vais sûrement rater. Encore une fois, je ne sais pas faire gonfler la pâte du pain, c'est une catastrophe, mais sa prof de sciences de SVT, je crois, nous demande de faire ça. Donc... Et puis, bah, je vous laisse aussi, je vous montre ma jupe portée, parce que je compte bien la finir, on a été coupé. Voilà, allez, c'est parti. Non mais ça va avec tout, hein. Oui, ça ressemble pas trop à un pain. Hein. Fallait faire une déco de Noël avec. Hein. Fallait que ce soit en forme d'un objet de Noël. Et c'est complètement raté. Elle va le refaire avec sa copine parce que moi, je sais pas faire du pain. Et je voulais vous dire vraiment merci, merci, merci pour vos messages concernant mes poules. Ça m'a touché énormément, vraiment. Voilà, donc ça va mieux, hein, franchement, voilà, ce sont des poules, le deuil est quand même assez rapide, mais bon, ça fait quand même, surtout une mort comme ça, hein, donc voilà, ça m'a vraiment touchée, vraiment, merci, merci beaucoup. Donc cette fois, je vous laisse là, normalement, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes, j'espère que tout va bien pour vous, enfin, en tout cas, que vous pouvez passer ces jours avec des gens que vous aimez. Voilà, allez, au revoir.